je tremble avant d'entrer en pile. Je cherche, je trouve une sacrée liste. Ce soir les Cosses ne seront pas tristes devant les clowns et les artistes. Chacun au poste, on leur récite des tours rodés, mais pas trop doués. Ils tombent du haut, le trapéziste. Il se fait mal, il va chez le dentiste. Je cherche alors une autre artiste. Docteur aveugle, c'est bouffé par le tigre. Malheureusement, celui-ci immigre chez Bouglione. Et puis, imagine, quel cirque! Quel cirque! Quel cirque! Quel cirque! Quel cirque! Quel cirque! Monsieur Royal tente un tour de magie. La femme dans la boîte, elle sourit. Il coupe en deux, mademoiselle Missy. Malheureusement, elle est en deux parties. Pour de vrai, c'est plus de la magie, mais c'est une vraie tragédie. C'est autour du dompteur d'Otari. Il est manchot, c'est pas le pire. Les Otari sont plus intelligents que lui. Il tente alors son plus beau parti. Mais l'Otari n'a plus envie. Il pète un plomb, c'est pathétique. Quel cirque! Quel cirque! Quel cirque! Quel cirque! Quel cirque! Trouve alors un lanceur de couteau. Pas de bol pour moi, c'est un poireau. Je tente enfin, je lui explique. Il foire son tour et vise le public. Voici enfin le clown meilleur artiste. Mais ce jour-là, il est trop triste. Sa femme s'est tirée avec l'équilibriste. Moi à ce stade-là, je suis plus optimiste. Quel cirque! Quel cirque! Quel cirque! Quel cirque! Quel cirque!